Et salut tout le monde, c'est Suckface, donc vous n'avez rien raté, rassurez-vous. J'ai juste eu un petit problème au niveau. Donc j'ai juste fait ça, j'ai fait tac tac, hein. Vous êtes toujours au même endroit, vous en faites pas. Hier on s'est arrêté à la sortie du secteur, j'ai juste sauté à l'instant. Et on est arrivé là, il ne se passe absolument rien, ne vous en faites pas. Alors, sachez que je vais faire des lives de temps en temps sur Twitch, donc si vous voulez me retrouver, je vous passerai le lien dans la description. Mais là, on part pour faire le petit gameplay habituel. Donc il est 42 chez moi, 15h42. Donc à peu près dans 25 minutes, c'est-à-dire vers 15h et quelques, votre vaisseau émerge assez loin de la balise. Vous remarquez un vaisseau rebelle attendant non loin à votre recherche sans aucun doute. Il a deux boucliers, je vais me le faire direct. Voilà, lui il est bien casse-couille, vraiment que j'ai trop bouclier. Hein. Oh, il a un léto l'enculé, il a un léto, il a un léto, il a un léto. Je pète ses boucliers tout de suite. Ok, il a plus de bouclier. Bah, je mets tout sous ses boucliers en fait. Ah, il a pas du tout une grosse esquive, c'est ça qui est bien. Il va péter ses boucliers. Ah, j'ai fait une brèche, nickel. J'ai cassé ses boucliers. Bon, rayon pénis qui est bientôt up, on va le défoncer les gars. Monsieur veut s'en aller, mais ça va pas être possible ça. Non merci. Vous allez juste mourir. Drop-moi une arme s'il te plaît. Ah, t'es pas sympa. 55 scrap. Ouh, c'est généreux hein. Ok. Un petit hacker. Les restes entremêlés de plusieurs vaisseaux repositifs, vous voyez la lumière vaciller sur ce qui semble être des débris. Un éclair rebelle en émerge tout à coup. Bon, on va le défoncer, sa race. Ah, une pirate, ouais, il est comme ça, lui. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. Pirate-moi tant que tu veux, je vais te défoncer ta race. Ouais, même pas besoin de missiles. Je vais le défoncer à l'ancienne. Il en veut à mes moteurs, c'est un truc de ouf, hein. Voilà, donne-moi tout ce que t'as. Qu'est-ce que j'améliore? Déjà ça, comme ça j'aurai ça en même temps. Et puis je vais améliorer les mêmes moteurs. 45 d'esquive, c'est pas de trop. Je vais faire tac 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 tac. Ce magasin, il y a intérêt à ce qu'il y ait des trucs génial. Ah, génial, un truc ionique. Un transporteur blaire des rocs près de ses balises sans avoir perdu ses repères. Mais quand il vous contacte, il devient suspicieux. Quelle que soit la forme de vie à laquelle vous appartenez, nous vous trouvons répugnant. On ne cherche pas d'aide. Partez maintenant. Je pars. Clairement, si j'essaie de me fight avec lui, là, genre, je prends des chers. Hein. Alors, déjà. Tu t'appelles comment toi déjà? C'est Turning? Ouais, c'est toi. Confinement. On laisse attaquer à une porte invincible. Eux ils sont morts déjà. Eux ils sont experts en combat, ça devrait bien se passer. Ouais, ils sont morts. Et voilà. Yé non? Avec deux mantis, tout se passe bien. C'est génial les mantis, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça absolument génial. Un vaisseau lourdement endommagé de la Fédération se cache dans cette nébuleuse près de cette balise. Avant d'avoir le temps de les contacter, ils disparaissent dans la nébuleuse. Je tente de les suivre et de les intercepter. Pendant que vous cherchez sans succès à travers la nébuleuse, vous tombez probablement sur le vaisseau rebelle duquel les fidèles de la Fédération bien, cherchent à se cacher. Vous préparez au combat. Bon, on va les défoncer. Ah, ça c'est casse-couille par contre. Mon rayon pénis se charge, tout va bien. Ah, c'est toujours l'arme de sûreté, tu sais. Vous n'avez pas perçu ce bouclier, vous attendez. Hein. Vous savez que vous allez le percer au bout d'un moment.
Ah oui, c'est vrai, ça compte comme un rayon. Ah, bah, je vais devoir tout tirer en même temps. J'espère qu'il y a un truc qui passe, quoi. Ok, on met pause. Feu! Voilà. Dès qu'il charge, faut qu'il parte. Non, j'ai envie de scrap. Ah oui, le mec easy quand il me défonce. Hein. Voilà. Il n'y a rien au pénis. Boum, 125 scrap. Qu'est-ce qu'il y a? Ou des mantis. Ils vont vouloir se téléporter. L'armée arrive. Donc eux ils ont pas de drone, ça devrait bien se passer. Ah, ils ont des skills par contre. Mec, meurs peut-être. Merci. Mec a un HP. Voilà. Et ben on va aller au shop shop. Tout se passe bien. On les défonce. Le centre d'un nuage d'hydrogène ne semble pas être un endroit très courant pour un magasin, mais les NG ne sont une espèce banale, ce ne serait pas mal d'y jeter un oeil. Les NG ne sont pas une espèce banale, justement, parce qu'ils ne respirent pas. Enfin, ils ne respirent pas. Si, ils respirent, mais c'est des robots, quoi. Ça, ils ont pas compris, tu sais, ils font pourquoi les humains ne viennent pas. Pourtant, une nébuleuse, c'est sympa. Et voilà. Alors, slug. Non. Arme furtive, non. Non. Cool, vous vendez plein de trucs, dis donc. Ah, une hallebarde, ouais. Pour chaque barrière, ouais. Ah, j'aime bien l'hallebarde, je vais l'acheter, tiens. Voilà, on a notre prochain objectif. Améliorer les armes. Hop. Moi, si je fais ça, je peux ne pas l'alimenter. Nickel. Parce que je n'ai pas de barre d'énergie. À moins que je fasse ça. Ça, ça. Boum! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est bien ça. Dès que j'aurai assez d'argent, je pourrai avoir le laito, l'albar, le cristal et le laser double. Mon dieu. J'ai même pas lu pourquoi il me disait. J'ai vu le DCA, j'ai cliqué, j'ai même pas réfléchi. Alors vous allez voir pourquoi une DCA c'est super puissant. Alors on attend que ça se charge. On attend que toutes les armes se chargent précisément. Et voilà ce qui va se passer. Ah bah ouais, lui aussi il a une DCA. Sauf que moi j'ai 3 boucliers, lui il en a 2 et ça va être la diff. Alors là, vous voyez que sa zone, j'en vois ici. Parce que je suis sûr de toucher beaucoup de gens. J'en vois là. Et dès que c'est parti, je vise ici. Et là vous allez voir que il a plus de bouclier parce que la DCA enlève tout. Et c'est pas le mieux hein. Le mieux c'est que quand il a plus de bouclier, et ben là ça fait mal. Ah, vous voyez les différences hein. Regardez. D'accord. je voulais le tuer à la DCA mais. Ma foi. Voilà. Par contre, faut vraiment que j'améliore ça à fond. 3 de plus, je pourrais mettre à la place du laito. Je pourrais mettre l'albarde. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Même pas 2 de plus, il me semble. Si je calcule bien. Ce qui n'est pas le cas. Je suis en L. Je m'en bats les couilles. Tout va bien se passer. Alors, ta-ta-ta. Ouais. Très bien, il se passe rien. Ok, on va faire ça. Et boum!
En naviguant à l'aveugle dans les brouillards, vous manquez de percuter la côte d'un vaisseau Mantis. Il vous contacte. Nous fermons les yeux sur cette faute. Nébuleuse très dangereuse, prochaine fois, humains tous mourir. Dit les deux du bouclier. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ouvrir le feu. Ok, ils sont deux. Les mecs, ils font. On va vous défoncer. Les mecs sont deux. T'sais. Les mecs, ils ont pas peur. Hein. Ouais, déjà, je les ai calmés, je pense. Trop de dégâts là, le ADC. Hein. Avec l'Albarde, je sais pas si on compte DCA plus Albarde. J'enlève tous ses boucliers, je vous fais un rayon. Et bah, il va comprendre sa douleur. Donc là, normalement, il m'en manque plus qu'une. Si je calcule bien. À la place du Leto. Ok, là, c'est la merde, par contre. Là, c'est bien, bien la merde. Alors, qu'est-ce qui j'ai en moins? J'ai à peu près tout en moins, en fait. Non. Ouais. Là, non, il n'y a pas besoin. Alors. Il y a le feu, je ne sais pas où. Ah, je consomme tous mes missiles parce que je sais que j'en aurai plus besoin dans pas longtemps. Ah, tu cherches TFTL. En temps normal, 8 missiles, j'aurais accepté. Mais comme j'en aurai bientôt plus besoin, je préfère encore prendre des scraps. Et laisser mourir comme un vieux chien. Je ne sais pas où est l'incendie. Ah, je vais drainer tout l'oxygène. Ah, ça se calme. Voilà. Faut que je sorte de cette nébuleuse. Quoi. Ah, ionique du moins. Oh, toutes ces barres d'énergie, quoi. Alors, les vendeurs d'armes du marchandeur vous racontent une fable sur les dangers de la nébuleuse avant de les promouvoir ses marchandises. Acheter une arme inconnue pour 45 scrap. Ah, putain. Non. Non, 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 non. J'attaque le vaisseau, je m'en vais les couilles. Il y a un laser triple. Enfin, je crois. Hein. Ou alors c'est 5 lasers, je sais plus. Non, ça c'est 5 lasers, vu comment ça charge. Non, il a juste enlevé son hallebarde. Okay. Il m'en bat les couilles de tes marchandises. Allez, bonne mort. Ouais, je découpe par-dessus, allez. Tant qu'on y est, on y va. Alors là, normalement, c'est bon. Si j'enlève le laiton. Tac, et que je fais ça. Bah là, il manque juste l'énergie, donc ça va. Si je fais ça. Et boum! C'est qui armé jusqu'au dents? C'est Bibi! Ah, l'albarde, ça, je kiffe. Ça, c'est génial, l'albarde. Un vaisseau pirate arrive peu de temps après vous. Genre qu'il essaie d'éviter votre vaisseau, vous supposez que ce n'est qu'un contrebandier tentant de se tenir à l'écart des balises. Activez vos armes d'un air menaçant. Ok, c'est bon, nul besoin d'utiliser la force, peut-être que ceci vous aidera à regarder ailleurs. C'est bien, coucou je panier. Hein. Oui, j'aime l'énergie. Alors. Vous appuyez sur les canaux de communication à bande large dès que vous arrivez, rien que du statique. Très bien. Ah, j'ai exploré pas mal de trucs. Hein. Par contre, vu que ça fait moins de 25 minutes, si je me trompe pas, enfin de 20 minutes, je vais faire encore un bout du secteur suivant. Secteur hostile, secteur natal mantis, secteur rebelle. On va éviter les mantis, hein. Parce que les mantis, ça fait très très mal.
Ouais, l'hyperactivité. Aujourd'hui, la moitié des balises de son ont été détruites, de nombreuses colonies ont abandonné et les rebelles patrouillent en permanence. Eh, ça, c'est pas du beau secteur, ça. C'est pas du beau secteur qu'on va entièrement explorer quasiment. Mais oui, c'est du beau secteur. Oh, bah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on part en haut. Je prends le chemin le plus long. Il y a un intéressant dans les environnements, un petit soleil au loin, là, blablabla, on s'en bat les couilles, il raconte ce qu'il y a dehors. Bim. J'ai envie de tester mes armes, là. Je vois où. Ah, et ces rebelles se déplacent pour vous engager. Tentez d'ouvrir avec des communications, mais vous... lorsque vous voulez que c'est... Ok. Donc en gros, je voulais ouvrir les communications et faire « Eh, bonjour !» Mais en fait, c'est une IA, donc en fait, on s'en bat les couilles. Il active CFTL. Ah, il va vouloir prévenir la flotte. Ouais. On va le défendre. Tu sais que le mec est pas armé, hein. Tiens, mange ça, toi. Puis ça aussi. Ouais, je peux pas utiliser l'albarde, ça serait pas mort, ça. Ah mais c'est ces armes que je vise depuis tout à l'heure, je pensais viser ces boucliers, oh là là la bite. Je me disais mais pourquoi ces armes, son bouclier est rouge et il a toujours un bouclier, genre je comprenais pas, je suis en train de friser du cerveau. Si vous vous apprêtez à en abattre un de plus. Très bien. Ah l'Artemis, ah ça va faire mal ça. Ah, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît. Voilà, et là maintenant qu'il a plus de bouclier. Ah bah normalement faut que je touche plus de sel. Là j'ai fait trop de la merde. Au revoir. Eh je garde l'albarde les gens. On va lui faire tellement mal. Non c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire, faut utiliser plein de sel. Ouais vous voyez que ça. Je vous ai coupé dans tous les sens le mec. Un signal crypté de la Fédération a été mis d'une planète dans les parages. Envoyez une équipe pour enquêter. Franchement, j'ai pas envie de partir de lose mes membres d'équipage. Parce que ça, c'est un coup à perdre ses membres d'équipage, ça. Trouver un vaisseau éclair automatique de rebelles flottant près de ses balises. Malgré tout, son état parfait il semble être désactivé. Des scraps ou des données. Des données. Ah bah, j'ai eu des scraps en plus. Ah bah, j'ai ma carte. Maintenant je sais tout ce qui se passe sur la carte. Donc là il y a un magasin donc je vais y aller hein. Je vais faire tout ça. Magasin c'est la vie. Non visité, vaisseau détecté, champ d'astéroïdes détecté à cet endroit. D'accord, c'est que c'est pas dangereux. Bon allez. On porte un peu nos balls. Ouais c'est Nia, ça devrait aller. Là par contre faut vraiment que je mette tout sur ces boucliers quoi. Donc là non, je pourrais déjà utiliser l'albarde mais ça fait que 1 de dégâts par salle. Ok, donc là... Faut que j'arrive à toucher 3 salles. Ah là, là c'est en jaune, c'est là que j'ai 3 salles. Voilà, au revoir. Et boum. Le petit signal de détresse. Le vaisseau émettant de la balise de détresse vous contacte. Désolé de vous déranger, mais nous sommes à sec au niveau carburant. Je pourrais pas. Ah ouais, j'ai que 5 carburants. Non, je peux pas. Nous comprenons, mais par pitié, envoyez-nous de l'aide si vous croisez quelqu'un digne de confiance. Ouais. Mais désolé, là j'ai que 5 4 de carburant. J'aurais tellement dû acheter du carburant au magasin. Oh là là. Salaud de la Fédération, nous avons attendu longtemps pour ça. Ah ouais. Le mec au calme, quoi. Ok, je prends, il a du carburant. Mais bon, ça a attendu longtemps pour ça, vous êtes pas très près quand même. Hein. Voilà, on fait tac, tac. Vous voyez, ça s'oxygène très très vite.
Comparé à si je mets un seul point. Tac. Voilà. Par contre, je vais mettre le petit NJ à réparer. Et c'est un robot, on le met à réparer. Tac. Voilà. J'ai 213 scrap, mais j'avoue que je ne sais pas trop quoi améliorer. Donc, ouais, comme ça, la barre elle est vraiment très petite et je peux spammer le laser. Ça, c'est pas dégueu, ça. Sûrement dernier point, je pense. Encore une IA. Disons, il n'y a que des IA. Oh, d'accord. Vous avez vu le, le mec, si je l'ai juste comme ça, il va mourir, hein, vous savez. J'ai usé ça, moi. Ça, il ne peut plus rien esquiver. Puis je vais le finir à la barre. Donc. Voilà. Eh bah, c'était dur, hein. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, on en fait un petit hein, pour le lulz. Un où y a rien. Ah oh ouais, mais les mecs ils sont calmes quoi dans leur tête. Hein. 3 d'énergie. Ouais, 4 de dégâts par tour. Oh putain. Eh, je pourrais peut-être remplacer ça par l'albarde. C'est 2 dégâts par salle. Hein. Si je touche 3 salles, c'est déjà plus worse que ça. Hein. Parce que ça, si je touche 3 salles sans bouclier, c'est 6 de dégâts que je fais, pas 4. Hein. Bien s'en rendre compte. Non, non, hein, je vais garder ça. Peut-être, si jamais je tombe sur un mec où je sais que je pourrais pas percer ses boucliers, si par exemple, si on en a 3-4. Même s'il y en a 4, là je prendrai le brèche. Je vais swap entre les deux, hein, ça va pas être un problème. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi ou lundi. Et je vais live sur Twitch je pense. Donc on se retrouve sur YouTube, bah pour vous, hein, parce que je ne sais pas si vous étiez au courant que j'allais sortir, que j'étais sur Twitch, mais là je vais sur Twitch. Je vais lancer un live sur sûrement Darkest Dungeon, je sais pas. Peut-être du Darkest Dungeon, War Thunder. I don't know. Ouais, je verrai bien. Bon allez, mettez un like, pouce vérisé, tu vois. C'est ça, qui est bien. Abonnez-vous, et à plus!